Coucou tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en ce week-end de Pâques, nous allons du coup voir les cadeaux que j'ai pu avoir à Pâques ou même le chocolat. Du coup, c'est parti pour le générique. Donc il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi. Et du coup, demain, il va y avoir d'autres membres de ma famille qui vont venir. Donc ça va être fait en plusieurs parties. La vidéo sera en plusieurs parties. Voilà. Donc du coup, on va commencer par la première partie, du coup, à savoir les cadeaux que j'ai reçus, colis, etc. Donc du coup, en premier, j'ai reçu le livre du code pénal. Pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, vous êtes au courant que je vais passer le concours de police nationale. Donc du coup, on m'a acheté le code pénal. Voilà. Et pour le second, c'est un cadeau qui est arrivé aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il est encore emballé. Voilà. Et ça, c'est un de mes proches qui me l'a envoyé. Du coup, Flo, je te fais des bisous. Donc, on va ouvrir quand même. Voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Je sais ce que c'est. C'est deux livres déjà. Mais il y en a un, je sais déjà ce que c'est. Quand on regarde l'intérieur, les fans d'Harry Potter, vous êtes au courant de ce que celui du haut est. Obligé. Voilà. Le livre de Chloé. Ça fait un peu de temps que je voulais l'avoir. J'ai jamais eu l'occasion de l'acheter. Donc il y a le livre de Chloé. Et l'autre, Harry Potter à l'école des sorciers, édition Serpentard. Flo, je t'aime. Tu es le meilleur des amis qui puisse exister sur Terre. Entre Serpentard, de toute façon, on se connaît. On se comprend, hein. Mais ouais. Franchement, je suis trop contente. Harry Potter à l'école des sorciers, édition Serpentard. Elle est trop belle en plus, avec la couverture, le côté comme ça, vert et tout. Là, le derrière. Voilà. Et devant, ça donne ça. Et sur le côté. C'est comme ça. C'est génial. Putain, mes parents, ils jactent. En bas. Il y a mes neveux chez Emmanuel chez moi pour Pâques justement. Ah j'adore. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Le choix peau magique, cette édition collector célèbre le 20e anniversaire de la publication de Harry Potter à l'école des sorciers, avec de nombreux bonus inédits qui réjouiront sorcières et sorciers. Portez fièrement les couleurs de votre maison. Franchement, j'adore. Je suis trop fan. Voilà. Donc du coup, voilà la première partie des cadeaux que j'ai pu avoir pour Pâques. Donc, trois livres. Un, qui est le code pénal. Le deuxième, celui de Chloé. Et troisième, Harry Potter à l'école des sorciers, édition Serpentard. Je suis trop fan, j'adore. Il est magnifique. Donc du coup, moi je vais vous laisser là et je vous dis pour vous dans 30 secondes et pour moi dans 24 heures. Bisous à tous. Bon, on se retrouve 24 heures après. Vous habituez pas au maquillage, c'est exceptionnel. Donc, nous allons aller cacher les œufs pour les enfants. Du coup, c'est parti. Bon, on revient au moment où les enfants chercheront des œufs.
Bon, les autres chocolats. Chers amis, nous avons un problème. À la base, il y avait 44 œufs. Nous sommes à 40. Il y en a 4, on ne sait plus où ils sont. Bon, évidemment, vous vous douterez bien que je ne montrerai pas le visage des enfants qui cherchent. Mais il nous manque 4 œufs, on ne sait pas où ils sont. Voilà. Je les cache tellement bien que même moi je sais plus où je les mets. C'est la scène du montage. Je ne me rends compte que j'avais pas fait le au revoir, etc. de la vidéo, etc. Donc du coup, pour faire un petit bilan, nous avons retrouvé les 4 œufs qui ont été perdus. Je n'ai pas filmé les enfants parce que voilà, mes neveux, mes nièces, ou même les beaux enfants de mon demi-frère, voilà, par respect, on va pas les mettre sur YouTube. Mais sinon, nous avons bien retrouvé les 4 œufs, etc. Au moment de planquer les œufs, il y a eu une scène mémorable, bon, qui n'a malheureusement pas été filmée, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, voilà, malgré tout ce qui se passe en ce moment, on a quand même réussi à faire Pâques. Les enfants ont été contents du chocolat, évidemment. Et quant à moi, parce que je vous ai montré dans la première partie de la vidéo, j'ai rien eu forcément de plus parce que chocolat, j'en voulais pas spécialement. Donc voilà. Du coup, je vais finir le montage, publier la vidéo et il me reste plus qu'à vous dire joyeuse Pâques. Bah du coup un petit peu en retard par rapport au moment où la vidéo sortira. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, j'espère que vous avez passé un joyeux Pâques. Que vous avez été gâtés en niveau chocolat ou quoi que ce soit. Et puis bah, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir la suite de ce qui va se passer, etc. Savoir que la semaine prochaine, je vais peut-être faire un classement de mes 5 chaînes YouTube favoris dans le thème horreur ou alors mon classement de films d'horreur ou un truc du genre. Je verrai bien. Mais donc du coup, voilà, vous pouvez toujours commenter ce que vous avez eu pour Pâques. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous, à vous dire au revoir. Bisous.